Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le unboxing de la box Budget Box de P-Louise du mois d'août. Donc, il y a un décalage dans les box. Là, on est où je viens de la recevoir le 11 septembre. En fait, il l'envoie le dernier jour du mois en cours. Donc la box d'août, ils l'ont envoyé le dernier jour d'août et là que je la reçois. Je n'ai pas eu de frais de douane encore cette fois-ci. Je sais qu'il y a des abonnés qui en ont eu. Moi, j'en ai pas eu. Donc, en ce moment, j'ai de la chance avec P-Louise. Pourvu que ça dure, surtout jusqu'au calendrier de l'avant, ça serait bien. Donc la box est à 36,95€. Et si vous prenez les 6 mois, vous avez une box offerte. Si vous prenez par un an, vous avez deux box offertes. Mais comme m'a fait remarquer Chérie, parce que je n'y avais pas fait attention, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est juste que vous déboursez plus d'un coup. Donc, pour celle-ci, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. J'ai trop hâte. Donc, bien protégée. Voilà comment est-ce qu'elle se présente. Et donc, on a trois articles à l'intérieur. 1, 2, 3. C'est bien ça. Donc, on va calculer le prix de revient au produit pour cette box-là. La dernière fois, on en avait eu plus, donc forcément, ça divisait le prix du produit revenait vachement moins cher. Donc, j'ai dit combien? 36,95 divisé en 3, ça revient à 12€ le produit. Et on va aller voir après le prix des produits sur... sur le site. Alors, tout d'abord, on a eu Skincare 7. Donc, c'est un set After Dark. Donc, ça m'a l'air prometteur. Alors, on va l'ouvrir. Donne notre disturbe. Ce qui est bien, c'est que même les packagings sont réutilisables. Moi, il a été ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a 3 produits à l'intérieur. Tout en full size, hein, bien évidemment. Donc, on a tout d'abord une crème hydratante Dream Drench en flacon pompe, de toute évidence. Je suis trop contente. J'adore les produits soins de chez eux. Et j'en avais pas eu la dernière fois, donc j'espère en avoir dans cette box-ci. Je ne trouve pas le truc pour l'ouvrir. Alors, attendez, je vais prendre mon petit ciseau. En plus, les produits sont divinement bons. Ils sont pas faciles à ouvrir, par contre. Oh, enfin. On pourrait faire un déballage facile, quand même. Donc, j'ai envie de dire, rien que déjà ce produit-là, à mon avis, les 12 balles, ils sont déjà rentabilisés avec un des 3 produits, donc... C'est vraiment des super box. Donc, pour ceux qui ne suivent pas mes vlogs, comme je vous l'ai dit, la dernière, j'avais fait en vlog, là, je fais en vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vidéo en français sur les box. Tous les produits des box que je ne vais pas garder, ils iront pour vous dans le concours de Noël. Donc, voilà, flacon pompe. On va essayer de sentir. Est-ce qu'il se dévisse, le bazar? Non, je n'y arriverai pas. Et voilà. Je ne vais pas l'utiliser maintenant parce que j'ai encore l'autre du calendrier de l'avant à terminer. On a une essence, water essence, donc un spray hydratant. J'adore les sprays hydratants. D'ailleurs, j'ai presque fini mon révolution, donc ça tombe bien. Ah, merde, le truc qui vient avec. Attendez, parce que l'étiquette du produit vient avec. Je vais couper pour ne pas l'arracher plus. Donc, les soins, vous risquez de ne pas en avoir beaucoup. Ah, c'est pas un spray, c'est un liquide. C'est un tonique, quoi. Ça sent divinement. Les produits sont tellement bons. Et on a Poreless Primer. Ah, un primer, ça c'est cool pour le teint.
c'est super cool. Le Silk Slumber. Slumber. Bon, je les ouvre à l'arrache pour l'instant. Hein. Donc il est scellé, donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, j'en ai pas besoin tout de suite, donc je mettrai de côté. Mais déjà trois produits là. Alors ça sera pour vous parce que moi je ne vais pas utiliser. C'est une palette de rouge à lèvres. Ça je l'avais, j'avais eu le spoil. C'est une palette, mais c'est des rouges à lèvres. Je vais quand même vous la montrer. Hein. Le packaging est trop cute par contre. Oh, si j'arrive à l'ouvrir. C'est une boîte en métal, en forme de carte de reine de cœur, comme ça. Enfin, en forme. Enfin, oui. Et comment ça se présente? J'arrive pas à l'ouvrir. Attendez, il y a un bouton poussoir. Je vais pas la faire tomber. Ben alors, comment ça s'ouvre? Mais comment ça s'ouvre, ce bazar? Attendez. C'est un bouton poussoir, je rêve pas. Oh, il y en a un qui a pris un coup dans la gueule, qui est un petit peu goutiné. Il y en a quand même 12 hein, à l'intérieur. Les couleurs sont très belles. Et vous voyez, celui-ci, il a un petit truc bizarre. Bon, ma foi. Ça fait des petits pois, c'est mignon. C'est des très jolies teintes, hein, mais moi, je vais pas le garder. J'ai absolument trop de rouge à lèvres déjà. Donc ça ira pour vous dans le concours de Noël. Donc on n'a pas, on ira voir les prix après. Hein. Et ensuite il y a encore un kit là je pense. Lip pencil et crayon. Ben, crayon à lèvres. Ah oui, ben, c'est tous les crayons qui vont avec, avec les trucs, je crois. Donc ça sera pour vous aussi. Je pense pour moi. Le packaging n'est pas 2, attendez, 2, 2, 4, 6, 8, il y en a 10. Moi j'ai déjà eu tout un kit. Là c'est des très foncés. Je vais essayer de vous montrer les teintes sans que ça se casse la goule. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Alors je vais laisser ça pour l'instant. Il me semblait qu'il devait y avoir une palette pour les yeux dedans, mais. C'est peut-être celle de septembre, alors que j'ai eu le spoil. Alors, on va regarder les produits. Attendez. Pour les lèvres, les lipsticks, je crois qu'ils ont la carte... Non, elle n'est pas encore mise en vente. Attendez, je vais voir dans les nouveautés, peut-être. Si, 16,95€. Donc, c'est déjà gagnant. Le kit de crayon, il est à 30,95€ sur le site. Et les crayons... Ah non, attendez, les crayons sont à 26,95€. 30,95€, c'est si vous achetez le bundle. Et on a eu les soins. C'est pas ça. Attendez, je vais regarder... Cosmétique, Bassin Body, Skin. Ils n'y sont pas non plus. Non, ils n'y sont pas encore. Ils sont pas encore sur le site. C'est en preview pour la box. Je vais quand même regarder encore une fois dans les nouveautés. Naughty Pet Toys, c'est pas ça. Non, donc on va prendre un soin. On va prendre une crème hydratante. Donc là, elle est à 33,95€. C'est pas vraiment la même, mais c'est une crème hydratante.
Primer, est-ce qu'il y en a un là? 21,95 les primers. Donc on va faire notre petit calcul. Donc 21,95 pour le primer, on va dire, hein, plus, faut que je recommence tout, la crème hydratante 33,95. On a eu quoi encore? Ah oui, une eau, mais ça c'est pas marqué, il n'y en a pas, tiens, attendez. Water spray. Ouais, je vais peut-être prendre le prix du spray. 21,95, donc là, hein, parce qu'on est à peu près sur la même lignée. Plus on a donc les rouges à lèvres. 16,95. Plus les crayons 26,95. Ça revient à 121,75 €. Donc autant vous dire que c'est encore une fois une très belle box. Pas pour moi parce que bon, les deux produits lèvres, je les garde pas. Mais rien que les soins, je suis contente. Et rien que les soins me remboursent la box. Donc je suis hyper hyper contente. Parce que si j'enlève les deux produits make-up, on est sur du 77,85 € juste pour les trois soins. Donc voilà, je gagne le double de la box, quoi. Donc je suis hyper ravie encore une fois pour cette box. Les soins, moi de toute façon, je suis déjà contente. Et voilà. Donc moi, j'ai pas eu de frais de douane pour aucune des deux pour l'instant, ni pour ma dernière commande. Je sais qu'il y en a qui en ont eu. Maryse, par exemple, a eu 35 € de frais de douane pour une box à 36,95 €. Donc ça, c'est un peu con. D'ailleurs, je ne sais pas comment sont calculés les frais de douane. Moi, je suis en Belgique. Est-ce que ça change? Je ne sais pas du tout. Mais voilà, sachez que vous aurez le kit de crayons et la palette de rouge à lèvres dans le concours de Noël. Et vivement la prochaine. Donc sur ce, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.